Salut de Céline et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui la salle, on se retrouve dans une vidéo exceptionnelle hein, parce que aujourd'hui c'est un grand jour. On est dimanche. Exceptionnel. Et tout à fait. Actuellement 13. Et dans deux jours, c'est le DLC, le plus gros DLC de GTA 5 jamais créé, le plus gros braquage, le bar à la drogue, le Rubio, le dossier. Ça va être magnifique, ça va être incroyable. En tout cas, aujourd'hui, la salle, on a 10 minutes pour finir ce parcours. Voilà, on a 10 minutes pour finir ce parcours. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de défi. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit défi. Sachant que dans la semaine, je vais faire aussi les stuns de la salle. Puisque la salle, vous savez, elle a fait pas mal de stuns. Vous allez avoir ça la semaine prochaine. En tout cas, je rappelle que vous avez la boutique aussi de la team. Vous avez le lien dans la description. Vous avez des promos en ce moment avec le code Noël. Et bien écoute, la salle, c'est parti. Bah let's go, hop, j'ai juste à faire comme ça et je vais lancer cette magnifique course. Mais c'est écrit time 7 minutes encore comme la dernière fois. Je crois qu'en fait, à mon avis de vous, mais seulement de vous, il y a moyen que... Ouais, je sais pas. Après c'est lui, mais 7 minutes, parce que genre, je pense que c'est le temps qui pense qu'on va finir. Ah ok. Mais il y a moyen de faire moins ou de faire plus. Ouais, tu sais quoi, hop, on met prêt la salle, c'est pas grave. On aura un petit casse dégueulasse. Alors, t'es chaud la salle, c'est bon? 10 minutes? Moi, ça me va. On se dit 10 ou 8? Bah, on se dit 9 et demi. On tranche à 9? On coupe la porte en deux? Allez, 9-15. Allez, 9-15. Ok, c'est parti. On a le temps juste en bas. Ça sert à rien que je mette un chrono. Bon, mais ça implique de ne pas faire d'erreur, quoi. Bah, tu vois. Ah, bah, tu sais quoi, je t'ai vu faire l'erreur, j'ai freiné direct. Ça va, je me suis rattrapé, mais quand même. J'ai perdu du temps. Waouh, un wall ride. Courage et du temps. Waouh, this shit. Un wall ride dans un. Bah, ouais, dans une montagne, c'est pas. Oula, bon, pour l'instant, ça va, on n'est pas mauvais là. On n'a pas encore perdu trop là, de temps. J'étais en train de foncer à fond. Ah ouais, ok. Toi aussi, tu pensais qu'il fallait mettre ses... What? Ah ouais. Mon perso, les gars, je sais pas ce qu'il a, mais il fait des trucs bizarres. C'est vrai que ça, c'est horrible. Oula, faut faire quoi? Faut monter. Allez. Ah ouais, magnifique. Incroyable. Ils t'ont recopié encore une fois la salle. Ah oui, je l'ai... Oui. Oui, ça j'ai déjà fait. Ils t'ont même ma miniature, c'était ça. Ils t'ont recopié et là, je crois qu'ils s'inspirent de toi, la salle. Je suis pas sûr, hein, mais... Waouh. Ah ouais, ouais. What the fuck, on est dans un tuyau, la salle. Ah oui, il faut rester dedans. Ok, ouais, je suis dedans, c'est bon. Ok, BMX, donc pour l'instant, on est pas mal. Waouh, c'est stylé. Alors, je tiens à dire que c'est le même... parcours qu'on a fait, enfin c'est le même créateur que le parcours qu'on a fait, tu sais, qui était méga stylé avec plein de techniques là, tu vois lequel? Ouais, bah oui. Bah, c'est le même créateur, donc c'est vrai que lui il est très bon en création. Ok, pour l'instant on est bien les gars. Tu sais que j'ai fait un perfect, hein, je suis tombé 0 fois. Bah moi je suis tombé, mais pourtant je te suis, hein, je suis derrière toi. Ah mais toi. T'es pas tombé encore, tombé genre t'as pas eu le point. Non. Ah bah je porte la poisse, voilà. Tu l'as eu? Ah bah ouais, mais comment t'as fait? Parce qu'il y avait trop d'élan même. J'ai dû ralentir. Je sais pas. On est tombé une fois, c'est pas grave, on est ex-aequo avec la salle. On va dire ça comme ça, la salle. Ouais, là je pense que... Ouais. On est ex-aequo. On est ex-aequo. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas écrire ex-aequo, tu sais. Vas-y, s'écris comme ça, épelle-le. Moi je sais comment ça s'écrit, mais c'est d'ailleurs si tu le lis, ça se lit pas ex-aequo, ça se lit ex-aequo. Bah je vais pas le dire. Et je pense que tu sais pas comment ça s'écrit. Bah si. Non, je suis tombé. Bien joué. Non, tu sais pas, c'est impossible. Bien fait la salle. Non, déjà je suis tombé. Déjà que tu sais même pas ça fait combien LN de 1. 0 ça fait. Oh, et exponentiel 0? 1. Waouh! Tu m'as pris pour qui? Il a retenu ses leçons! C'est le seul truc que t'as dû retenir. Eh, monsieur Marmar, hein, attention, hein, c'est le meilleur lui. Hein. Non, mais je suis sûr que j'avais un bon. Mais gros, j'ai la poisse à mort. Je tombe à chaque truc. J'avais monsieur marqué.
Et Madame. Monsieur, Madame quoi? Madame Fafa. Monsieur, Madame, Dame? Ah. Ils deviennent quoi eux d'ailleurs? Ouh, je sais pas, mais c'est chaud. Ok, pour l'instant on est bien. C'est bizarre la gâchette de PS5, elle fait du bruit quand t'appuies. Je sais pas si t'as remarqué. Pas moi. Non, moi elle est Attends, je me vraiment. gratte l'œil. Elle fait zéro bruit, quoi. Attends, parce que moi je suis à 4 minutes là seul. Ah ouais, c'est vrai, attends. Je regardais plus le temps, mais ouais, faut que je me dépêche. Moi je faisais mon petit truc tranquillou, pépérou, comme s'il n'y avait rien du tout. Là je suis tombé dans le trou. Je fais des rimes en ou. Et moi je suis là et je vais pas tomber parce que je suis un boss du game, voilà, je le dis. Ouh! Ouh là là là! Ouh, allez, c'est pas comme si. Shame on you, ça te dit un truc, non? Ouais, ça me dit un truc, je crois que c'est un reportage. Ouais. De type reportage, la salle. Écoute, on est pas mal, je pense. Ouh là, faire quoi là? Moi, je suis tombé deux fois entre-temps. Quand même. C'est à noter. Ah merde, toi, elle est là. Ah ouais, vu qu'il y a les grosses vagues, la salle, je sais pas où est-ce qu'il fallait aller, mais c'est au moins que je viens de voir. Ok. Ah ouais, il faut connaître, hein. Mais bon, vu que toi, la salle, t'as en taux, tu vois, je te comprends. Bah écoute, j'ai l'impression, ouais. T'as Je te l'impression. jure, hein, j'ai vraiment cette Tellement impression. c'est fluide. Bah là, franchement, je commence à ne plus tomber. Je suis tombé quelques fois, mais c'était vraiment des trucs où j'avais pas d'élan, tu vois. Bah moi, je viens de retomber, hein. Donc je peux te dire que c'est pas Bah très écoute, je te vois. En agréable tout cas, le tout. parcours est magnifique. Ok. On est bien. On est à 5 minutes, les gars. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Non, vas-y, je tombe dans des endroits improbables aussi, là. Oula, attends. Seriously, Ah merde. seriously. Tu sais que j'ai vraiment l'impression que j'ai déjà fait Regarde. ce parcours, c'est bizarre. J'ai Ça, obnubilé. les gars, c'est le genre de truc qui te fait dégomme et qui te fait tomber pour rien. Ça s'écrit comment, une mine omnibulée? Omnibulé. Ouais. Bah, OM. Sais, quand tu dis je suis omnibulé par ça. OM. Ouais. I. OMNI. Ouais. BU. Et Ouais. quoi? Omnibulé. On dit pas omnibulé, Nune, hein. On dit obnubilé. Donc c'est écrit comment alors? Bah, obnubilé, pas omnibulé. HOB? Non, OB, obnubilé. OB? Ah on dit OB. C'est pas Omni? Eh? Non, c'est obnubilé. Ouais, d'accord. Parce que Ok. toi, je sais que le français, c'est approximatif, quoi. C'est comme. C'est à peu près, quoi. Alors par contre, ouais, alors moi tu Un peu sais, comme les maths. j'étais en Ouais. train de passer tranquillement, tel un king qui passe un parcours. Sauf que là, je suis dans un. Une impasse. Ouais, je suis là où je. Bah c'est le truc que je déteste le plus dans les parcours, hein, c'est-à-dire tourner. Comme ça, mais bon, c'est bon. Regardez les gars, j'ai la technique. C'est vrai, j'arrête pas de tourner. Je tourne en rond, je Voilà. tourne les violons. Ok, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Alors, une qui a chanté tourne les violons? Je ne sais pas. Jean-Jacques Goldman. Oh, où je Trop suis chaud. tombé? Mon, si tu vois où je suis tombé. Oh là là, mais dis pas que t'as recommencé d'où je pense que Oh, t'as recommencé. wow, tout ce que je dois refaire, wow. Je suis tombé devant le point. Attends, j'ai mis au moins 1 minute pour y aller. Je viens de rattraper la salle. Oh, c'est magnifique. Ah oh ouais, avec mes questions bizarres aussi, c'est ça. Hein. Attends, elle me fait pas tomber. Hein. Non. Tranquille, tu vois, On a un j'attends temps à juste. battre la salle. 9 minutes 15. Ah oui, ouais, bah oui, mais bon, j'ai fait nimp. Normalement, je le bats easy le temps. Attends, c'est pas fini. On n'est pas encore tombé la salle. Faut pas crier défaite trop tôt.
comme on dit chez nous. Ok. Faire quoi là? Ah, c'est un wall ride. What? Qu'est-ce que... T'as compris ce qu'il faut faire? Ouais, faut accélérer, regarde. Accélère, c'est tout, ça y va. Sérieux? Ouais, accélère. Comme ça là? Ouais. D'accord. Me dites pas que les gants vont faire. Regardez, je le fais une main. Pom pam 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 pam. Ah Faut que ça ouais. continue, mais ouais. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Et tu penses qu'on va la voir? Bah ouais, c'est bon. Mon, les 9 minutes. Ah ouais, mais moi, c'est parce que j'ai fait n'importe quoi, mais sinon... Ok, eh bien 9,28. Et moi je vais finir en 9 et quelques, je crois bien. 9, je ne sais combien. On va regarder ça dans quelques minutes. Et bah écoute, 9,34, voilà, 9,34 pour moi. On a déjà battu le truc de base, c'était en moins de 10 minutes. Sachant que bon, on a fait un petit peu n'importe quoi. En fait, je savais pas quoi faire à la fin. Moi, j'aurais pu finir en moins de 9,15, je pense. Mais j'ai respawn, Ben je savais pas oui. qu'il fallait faire comme t'as fait. Mais non, franchement, pas mal, pas mal, franchement. En tout cas, c'était un très bon parcours, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche. Et sur ce, bah, la salle, t'as un petit mot à dire pour la fin. Yeah.